Faut-il garder ou abandonner sa copine quand on part en Asie? Ça va être la question du jour. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis bien embêté parce que maintenant que je vous montre où je suis, j'ai plus à tourner la caméra, puisque ma caméra est une caméra 360. Alors, je suis à... plutôt, je me dirige vers Green Ball Beach, Uluwatu. Le sud d'Uluwatu. Uluwatu, ça signifie le rocher au bout du monde. C'est le sud de Bali. Petite merveille. Alors, je vais vous présenter toutes les plages, en fait. Je les fais les unes après les autres. Je ne sais pas si vous voyez la couleur de la mer, mais c'est une petite merveille. Allez, je vais essayer de commenter le commentaire. Alors, je vous lis le commentaire de Base de B qui me dit « Merci pour ces informations. Ma femme, mes enfants et moi voulons quitter la France, mais j'ai bien peur que la vie en Thaïlande ne soit bien plus chère. J'estime qu'une dépense mensuelle de 3 500 € pour les impôts, il faudrait générer environ 5 000 € par mois. » Donc il veut venir avec sa famille en Thaïlande et il se demande si c'est pas un petit peu trop cher. Je sens que je vais me gaufrer. Nous avons un budget de 200 000 € pour démarrer une activité en Thaïlande. Okay. Cet argent provient de la plus-value. Oula, attention, hein, avec les nouvelles règles fiscales, je suis allé vérifier les règles sur la fiscalité des plus-values en Thaïlande depuis le 1er janvier 2024. Je pense que tu vas avoir des surprises. Cet argent provient de la plus-value que je ferai de ma maison principale. Logiquement, je ne suis pas imposable sur cet argent, mais cela suffira-t-il pour vivre? C'est sûr que si tu as besoin de combien, 3 500 € par mois, donc 5 000 € par mois avant impôt, ça fait beaucoup, dis donc. Mais j'ai la solution, j'ai une solution pour toi. La solution, c'est peut-être d'abandonner ta famille, tout simplement. C'est peut-être la meilleure chose à faire. Parce que de toute façon, tu vas vers une séparation certaine. Je te rappelle, je vous rappelle. Là, il y a les surfeurs, là. Plage de surfeurs. Il faut quand même se taper, il y a un dénivelé. Je pense qu'il doit y avoir 200 mètres de dénivelé. Il faut avoir envie. Donc, je vous rappelle que on ne vient pas avec son sandwich au restaurant. Je crois que ça a été suffisamment dit, redit, répété et ressassé sur ma chaîne. Je vous rappelle qu'il y a quand même 700 vidéos sur la chaîne de la vérité. Donc le fait que tu me poses cette question, c'est que tu dois pas bien avoir suivi ma chaîne. Bon. Alors tu vas vers de gros ennuis. Mais grâce à cette vidéo, je vais t'éviter beaucoup d'ennuis. Alors, premier élément, en fait, ça va te coûter très très cher, effectivement, parce que tu as des enfants. Donc, les études en Thaïlande, ça coûte très cher, surtout si tu veux, en Asie hein, en général. Vous comptez dans les 10 000 euros par an et par enfant. Peut-être un petit peu moins, mais c'est assez dans ces eaux-là. Oh, la couleur de la mer. Donc, ça va te coûter très cher pour les enfants. Ton pachyderme, ta vieille Micheline du Cantal, que tu vas trimballer dans tes bagages, de toute façon, elle va pas s'y plaire. Toi, tu vas être soumis à une tentation extrême, tu vas la tromper. Elle va demander le divorce pour faute. Tu vas perdre tout ton argent, donc tu vois les 200 000 euros. À mon avis, tu devrais les garder pour toi. En plus, je pense que c'est le fruit de ton travail. C'est pas le fruit de son travail. Je sais que tu penses famille, et t'es peut-être... Je conçois que vous ne soyez pas tous comme moi, des sans-famille, des Rémi sans famille, adepte des short time. Qui a dit, mais qui a dit que les plus belles plages du monde étaient en Thaïlande ou aux Philippines? Qui a dit ça? Je vous laisse juger. Tiens d'ailleurs, je vais peut-être faire un test aujourd'hui. Ça va peut-être... Je vais mettre la caméra dans l'eau. Parce que normalement... Ah, je sais pas si je vais le faire. Normalement... Elle est insubmersible. C'est une caméra sous-marine.
Oh là 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 là. Ah, je vais mettre la casquette, sinon je vais fondre au soleil, les amis. Et je reviens sur ton projet d'expatriation en famille. Très très mauvaise idée. Alors, c'est bien comme ça. Allez. Oh, la couleur de l'eau, les amis. Là, c'est du paradisiaque. Là, ça y est, on y est. On s'approche encore un peu. Oh là 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 là. Donc, tu auras trop de tentations. Ça, on l'a déjà dit. En plus, qui a envie de partir en Asie? Est-ce que c'est toi? Ou est-ce que c'est ta copine? Moi, je pense que c'est toi. L'Asie, c'est un truc de mec, c'est pas un truc de femme. Et c'est pas un projet qu'on fait en famille. Après, si tu veux vraiment, si t'es un gars qui aime vivre en famille, je le conçois. Et bah, t'as juste en fait à te recréer une nouvelle famille. En Asie, ça te coûtera beaucoup moins cher. Une famille locale. Donc ta famille, en plus tes enfants, je pense qu'ils sont assez grands, enfin je fais l'hypothèse qu'ils sont assez grands, c'est-à-dire qu'ils ont au moins allez, 15, 16, 17 ans. Et donc je pense qu'ils ont déjà été, tu vois leur mindset, c'est le mindset français. Qu'est-ce qu'elle veut elle? Coconut later? Ok, coconut later, maybe, maybe. Maybe later. Elle a des coconuts, je sais pas comment elle les a trimballées. Il n'y a pas d'ascenseur ici. Donc ouais, tes enfants, ils ont le mindset français. C'est des futurs, voilà, des futurs fonctionnaires, des futurs salariés. C'est pas des futurs entrepreneurs parce que en Thaïlande, faut être clair, hein, faut dire. C'est faut monter des business en ligne, faut monter des business locaux, je sais ça. S'ils veulent se développer, c'est pas avec des boulots de salariés, c'est pas en envoyant une lettre de motivation et en trouvant un boulot salarié. Je crois que, je sais pas, le boulot salarié en Thaïlande, ça doit être combien, 400 euros par mois, 500 euros par mois maximum. Ici en Indonésie, c'est 300 euros par mois. Donc c'est ça qui les attend. Hein. Et puis, je pense que c'est mieux pour eux de rester avec leur maman en France. Ils seront mieux là-bas. Elle n'est pas très grande en fait cette plage. Ou bien, elle n'est pas très grande. Par contre, il y a des vagues de folie. Donc je pense que le mieux en fait, ouais, c'est que tu laisses. Tu laisses ta vieille chose. En plus, elle va vieillir en Thaïlande, hein, t'imagines. Quoi. Prends tes 200 000 euros, tu viens, tu ouvres un café de plage, un bar de plage, un beach club, je sais pas, n'importe quoi, une boulangerie. Est-ce que je sens que tu as envie de faire un business local, un restaurant et tout? C'est pas simple, hein, mais il faut s'accrocher. Mais bon, si tu fais suffisamment d'efforts, ça fonctionne quand même. Et je pense que gagner 5 000 euros par mois comme ça, en arrivant direct, en investissant seulement 200 000, je pense là, tu rêves un petit peu. Je pense que les débuts vont être quand même assez difficiles. En plus, ta femme, elle a des goûts de luxe. Tes enfants, ils ont des goûts de luxe aussi. Tout le monde a des goûts de luxe, en fait. Ils voudront revivre, en fait, ils exigeront de toi. Ils exigeront de toi. Namasaya Marco. Marco. Kamu, qu'est-ce que c'est, Magresse, là? Kamu d'Aribali? Yeah. Apa kabar? Ça va? Baik? Bon. La baie coconut, ouais. On verra plus tard pour la coconut. Yeah, bah maybe later. Hein. Maybe later, maybe jamais. Maybe later, maybe never. Bon, allez, on remonte. Alors, est-ce que tes 200 000 euros qui proviennent, donc comme tu le dis, de plus-value de ta résidence principale, est-ce qu'ils vont être taxés en Thaïlande? Eh bien, ça dépend. Alors, je vais te donner les règles, hein, les règles qui ont changé en Thaïlande, hein, depuis le 1er janvier 2024. Donc, si tu es résident fiscal Thaï, c'est-à-dire plus de 180 jours en Thaïlande,
et que tu ramènes en Thaïlande des revenus, alors de quel revenu parle-t-on? Alors, ce qui est confirmé, c'est évidemment les revenus qui proviennent de salaires, de business, de revenus du capital, dividendes, etc. Dividendes d'actions, c'est confirmé. Les actions Thaï, elles, c'est pas taxé en Thaïlande, bizarrement. Par contre, toutes les actions étrangères sont taxées en Thaïlande. Les plus-values d'actions étrangères sont taxées en Thaïlande. Tout est taxé en Thaïlande, à partir du moment où tu es résident fiscal en Thaïlande. Et même, hein, tu me dis, ouais, mais je comprends pas. C'est déjà taxé en France. Ouais, sauf que le fisc thaï a confirmé que c'est pas parce que c'est déjà taxé en France que ça sera pas retaxé en Thaïlande. Oui, mais Marc, il y a des règles de non-double imposition. Oui, mais c'est dans le cadre des règles de non-double imposition qu'il peut y avoir une double taxation. Ah, c'est difficile, hein, c'est dur. Et maintenant, toi, ta question, c'est sur les plus-values immobilières. Alors, plus-values immobilières, revenus immobiliers, déjà, c'est confirmé. Pour les retraites, il y a un petit. Ils sont pas d'accord. Fisc Thaï est toujours en train de discuter avec le fisc français. Ils sont en train de débattre en comité. Donc, toujours en attente. Revenus immobiliers, oui, sachant que pourtant. C'est déjà taxé en France. On ne comprend plus. Je suis l'affaire de très très près. Donc je me dis que si les plus-values d'actions sont taxables en Thaïlande et que les revenus immobiliers français sont taxables en Thaïlande, je me dis que les plus-values immobilières françaises sont taxables en Thaïlande. Mais j'ai peut-être la solution pour toi. Parce que ça concerne uniquement la plus-value. Tout ce que tu vas ramener. Alors, tu as deux solutions en fait. Bon, tu as plein de solutions. La première solution, c'est de ramener tes 200 000 euros avant d'être résident fiscal en Thaïlande. Donc, si tu viens la première année, en général, si tu viens à la fin de l'année, avec un visa de touriste. Alors, peut-être pas un visa de touriste, mais si tu passes moins de 180 jours dans l'année en Thaïlande, donc tu n'es pas résident fiscal thaïlandais sur une année calendaire. Donc, tu arrives par exemple en octobre, tu arrives maintenant par exemple. Donc, sur 2024, tu ne seras pas considéré comme résident fiscal Thaï. Et là, tu fais ton virement. Là, il n'y a aucun problème. Là, ils sont très clairs. Ils disent voilà, tout ce que vous ramenez alors même que vous n'êtes pas résident fiscal Thaï, il n'y a aucun souci. En fait, là, je n'ai pas fini la vidéo, donc je repars à la plage. Autre possibilité, encore mieux. Enfin, encore mieux. Autre possibilité, tu es résident Thaï, en Thaïlande, mais tu ramènes pas les 200 000 euros, tu ramènes uniquement le capital, c'est-à-dire par exemple ce qui t'a permis d'acheter ce qui t'a permis d'acheter le bien, par exemple le prix d'achat. Par exemple, si tu as payé 150 000 sur les 200 000, ça c'est le prix d'achat, donc ça correspond au capital de départ, bah, c'est ça que tu ramènes en Thaïlande, donc tu ramènes pas la plus-value. Et bien sûr, tu vas pouvoir le prouver. Alors, c'est du déclaratif hein, en Thaïlande. C'est uniquement s'ils te demandent de justifier que tu as les documents pour montrer que ces 150 000 sur les 200 000 proviennent uniquement du capital et c'est ça que tu as ramené en Thaïlande. Et là, il n'y a pas de souci aussi. Tout ce qui concerne, c'est la même chose d'ailleurs sur le capital des actions. Tant que ce n'est pas des plus-values, tant que ce n'est pas des dividendes, tant que ce n'est pas des revenus, il n'y a aucun souci. Alors ça, tu peux pas trop le faire, mais je le signale quand même peut-être pour d'autres. C'est que si vous avez des revenus qui sont antérieurs au 1er janvier 2024 et que vous pouvez en apporter la preuve, eh bien vous pouvez les ramener en Thaïlande. Alors même que vous êtes résident fiscal Thaï, ils sont pas fiscalisés parce que ces revenus ont été faits avant la loi 1er janvier 2024. Y a pas mal de règles quand même. Donc je pense que tu vas t'en sortir, sachant que pour moi, ta meilleure optimisation, c'est pas l'optimisation fiscale Thaïlande, etc. Ton plus grand risque pour moi, c'est pas la fiscalité en Thaïlande, ni la fiscalité en France. Pour moi, ton plus grand risque, c'est de perdre la moitié des 200 000, taxés non pas par la France, mais taxés par ta vieille Micheline du Cantal, lors du divorce qui sera prononcé entre 1 à 2 ans après l'arrivée en Thaïlande, qui correspond à peu près à la date à laquelle tu vas tromper ta femme. Tu ne pourras pas y résister.
C'est une maladie, hein, c'est pas. Tu peux pas échapper en fait à la fièvre jaune. Je discutais d'ailleurs avec Dimitri, pas plus tard qu'hier, et Dimitri a attrapé la fièvre jaune, il me l'a confirmé. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!